Madame la secrétaire générale, les cadres des départements de l'énergie sont tous présents. Ainsi, les travaux peuvent valablement se dérouler. Et sous réserve de votre approbation, les interventions pourraient être le suivant. Votre allocution d'ouverture, l'intervention de M. le ministre de l'Énergie, l'intervention de M. le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la signature du procès verbal et l'installation sur l'aide de M. le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Votre allocution de clôture et les bénédictions d'usage. Je voudrais humblement vous donner la parole, Madame la Secrétaire Générale. Si cette proposition retient votre haute attention pour l'ouverture des travaux, je vous remercie. Votre attention s'il vous plaît. Merci. Ceux qui ont des atmosphères, déposez ici et quittez. Merci, monsieur le président de cabinet, pour le cadre. Monsieur le ministre. En présence, monsieur le ministre de l'Industrie et conseiller spécial de monsieur le président de la République, nous avons monsieur chef Talib Silla, ministre de l'Énergie. Nous avons Elage Papakoli Kourouma, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Mesdames et messieurs les cadres des départements ministériels, notamment ceux du ministère de l'Environnement, le ministère de l'Administration du Territoire, le ministère de l'Énergie et le ministère des Travaux publics, lesquels avaient en charge la gestion de la question de l'assainissement. Mesdames et messieurs les invités, en vos grades et qualités, mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin et que j'ai l'estime, l'honneur et le plaisir de conduire est bien évidemment la passation des services et l'installation du secrétaire, du nouveau secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. À la faveur donc du décret T-2019-108 et 109 PRG-SGG du 5 avril 2019, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé a bien voulu renouveler sa confiance en nommant M. Cheikh Talib Silla dans les fonctions de ministre de l'Énergie, Elage Papakoli Kourouma, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mamadou Doulé Diallo, secrétaire général du ministère. C'est l'occasion donc pour moi d'adresser ma profonde gratitude et ma reconnaissance à Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et féliciter l'ensemble des cadres communs dont l'engagement et la motivation n'est plus à démontrer dans le processus de développement socio-économique de notre pays engagé par le Président de la République. Nous voudrions saluer ici, du haut de cette tribune, la présence à cette importante cérémonie, les différents départements alors en charge de la gestion collective des questions relatives à l'environnement. Je voudrais citer ici
le ministère des Travaux publics, le ministère de l'Environnement, les deux pour des questions de méthodologie et des normes, le ministère de l'Énergie pour les bassins fluviaux, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour avoir habité pendant une période donnée l'Agence nationale de l'assainissement et de la stabilité publique. Le mérite et l'expérience des deux ministres, je voudrais appeler ici Elage Papakoli Koma et M. Cheikh Talibé Sylla n'est plus à démontrer dans le cadre de la gestion efficiente des domaines de l'eau, de l'énergie et de l'assainissement. C'est pourquoi, reconnaissant donc leur effort, leur courage, leur engagement, je voudrais les exhorter à une synergie d'action et une complémentarité pour l'atteinte des objectifs nobles inscrits à l'agenda du gouvernement à travers la vision du président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Pour atteindre donc ces objectifs de eau pour tous, électricité pour tous, hygiène et santé pour tous, un slogan auquel le président de la République tient tant. Donc, c'est sur les notes que je voudrais repasser la parole au modérateur pour dérouler, n'est-ce pas, la suite de cette cérémonie après l'allocution d'entrée en jeu du secrétariat général du gouvernement représenté par ma personne. Je vous remercie. Comme je l'ai spécial de son état de ce réunion de la République, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Madame la secrétaire adjointe du gouvernement, présidente de la présente cérémonie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les autres ministres présents, distingués invités, mesdames et messieurs, sommes réunis ce matin, 15 avril 2019, dans le cadre d'un transfert de service du relevé de l'ancien ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique à notre ministre, le frère Elage Papakoli Koma. Je me dois avant tout de rendre grâce au Tout-Puissant Allah. Exprimer toute ma reconnaissance au président de la République, chef de l'État, François Alpha Condé, pour la confiance qu'il vient de me renouveler en me nommant ministre de l'Énergie. Toutefois, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, que nous avons eu l'honneur de diriger, du 21 octobre 2014 au 5 avril 2019, a réalisé dans le secteur de l'eau et de l'énergie de nombreux projets. Dans le secteur de l'eau potable, particulièrement, de nombreux efforts ont été consentis à travers des divers projets, dont principalement le retour dans le secteur humain de l'eau potable, le retour de la Banque mondiale dans ce secteur pour la réalisation du projet urbain Olivier avec un don de 30 millions de dollars. Au projet de réhabilitation et de renouvellement des équipements de production d'eau potable de la SEC dans le cadre du projet d'amélioration des critères technico-commerciaux au niveau de la commune de Matoto sur financement de l'AFD à hauteur de 30 millions de dollars. C'est au cas. Le projet d'approvisionnement en eau potable des 5 villes, Bielouma, Gawan, Tougué, Lola et Yomou, qui n'ont avant cette date jamais eu un système moderne d'alimentation en eau potable. Le 4e projet Olivier, projet de renforcement de la production d'eau potable de la ville de Conakry, sur financement de la ville. Le projet d'addition d'eau potable
de Conakry, qui je me fais le devoir de rappeler que ce projet a été initié par mon frère Hélène Papakoli depuis 2012, quand il était ministre d'État, ministre de l'Énergie et de l'Environnement. Depuis cette date, de nombreux efforts ont été déployés pour la mise en œuvre de ce projet qui allait permettre à la ville de Conakry d'avoir de l'eau suffisamment pour endiguer le manque d'eau que la ville de Conakry connaît aujourd'hui. Il y a eu d'autres études qui ont été effectuées. C'est ce rajout que nous avons eu à faire dans le cadre de ce projet à partir d'autres pistes d'eau, telles que Vali-Vali, Grande Sud et autres propositions qui ont eu lieu. Dans le cadre de ce projet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis du sien là-dedans, suite aux différentes missions que nous avons eu à faire avec lui en Chine, et pour obtenir de la République populaire de Chine, aujourd'hui environ 73 millions de dollars pour la réalisation de ce projet. Le projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Sigri, qui connaît aujourd'hui des difficultés, j'ai grand espoir de Son Excellence le ministre d'État, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement trouvera la meilleure solution pour pouvoir finir ce projet pour le bénéfice des populations de Sigri. Dans le domaine de l'hydraulique rurale, le projet d'AEP des zones périurbaines des villes de Kidia et de Mamou, sous financement de la coopération technique belge CDD. Le projet d'AEP de Boké est évalué. Le projet d'AEP de Zéricourt et Lola et Yomou sur le financement de la Banque islamique de développement. Le projet financé par le 10e FED et des mini-AEP dans la préfecture de Zéricourt en phase finale. Le projet d'AEP de Sotantien Fourage à Mamou et Varna. Le projet d'AEP des zones rurales avec l'installation des hydropures dans les zones rurales sur le financement du royaume de Belgique. Le projet d'AEP de 500 forages en Guinée qui ont été déjà réalisés dans le cadre du 59e anniversaire de notre pays dans la région de Cancan. Je tiens ici à vous rassurer, Monsieur le ministre d'État, chers frères, de ma disponibilité totale et entière, ainsi que celle de mon département à tous les niveaux, à vous accompagner dans votre noble et importante mission, à savoir donner de l'eau potable et assainir l'environnement immédiat, donner la santé et l'hygiène aux grandes populations de Guinée. Mais toutes mes bénédictions vous accompagnent. Au cadre des différentes structures qui ont consenti tant de sacrifices avec nous, je voudrais leur témoigner toute ma gratitude pour les efforts qu'ils ont cessé de déployer pour notre cause commune. Je leur demande d'en faire plus en vue d'accompagner notre frère pour l'atteinte de l'objectif que lui a été fixé Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à savoir l'amélioration des conditions de vie de population. Notre activité, mon cher frère, est liée directement aux populations. Quand il y a de l'eau, on nous va produire. Quand les robinets deviennent secs, on nous aide les familles. Nous vous souhaitons bonne chance. Je vous remercie. Ministre d'État, conseiller de gestion du président de la République, ministre de l'Industrie et le ministre de l'Agriculture. Madame la secrétaire générale, assurant la présidence de cette séance, mon cher frère, ministre de l'État, chers invités, chers parents, l'occasion qui nous réunit ce matin
est la cérémonie de passation de service. Je voulais me passer le discours. Parce que tout simplement, je sais que c'est là qui va vous témoigner de sa disponibilité. Et c'est celui-là qui était avec moi dès le lendemain de ma nomination au poste de ministre d'État, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, en 2010. Celui qui m'avait remonté les premiers problèmes qui assaillaient le département. Et avec lui, on avait très d'excellents rapports. Je voulais ici mesurer la responsabilité que son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alphonse, a bien voulu me confier à mon nom ministre d'État, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. À cette occasion, je me fais le devoir de remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence, professeur Alphonse, qui, depuis son élection, par le Sénat Peuple de Guinée en 2010, n'a cessé de me confier des tâches nobles, allant dans le sens de ses aspirations, allant dans le sens de ce qu'il nourrit pour le peuple de Guinée. Une première fois, ministre d'État, ministre de l'Énergie, ministre de l'Hydraulique et de la Mer. Ensuite, ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. Troisième fois, ministre d'État, ministre de l'Hydraulique, ministre de la Santé et de l'Assainissement. Je crois qu'une première fois, on peut se faire. Une seconde fois. Mais une troisième fois, renouveler sa confiance, cela veut dire que monsieur le président de la République soit remercié. Aujourd'hui, un seul esprit manie, celui de pouvoir arrêter cette confiance. C'est pourquoi, en demandant la bénédiction de Dieu puissant Allah, qui, à travers lui, cela a été possible, que l'opportunité me soit donnée pour mériter cette confiance. Pour mériter cette confiance, en donnant de l'eau potable aux populations guinéennes, et en assainissant leur cadre de vie. Toutes ces deux missions, c'est des missions nobles, prescrites par le Coran. Dieu, dans son Coran, magnifie l'eau. En disant Allah, Kalakasamawatu Allah, wa anzala min as-sama'i ma'a, wa anzala bihi zaytan samaratin rizqan lakum. Ça, c'est pour définir l'importance que requiert l'eau, la fourniture de l'eau. Un des adeptes de notre prophète, Mohamed, est Israël Soukri. Il posa la question un jour, « Oh, Ya Rasoul, quelle est la meilleure des eaux ?» Il dit, « À l'heure de l'eau. » À la province de Septem. C'est ça la meilleure raison. Alors, je veux dire aujourd'hui, après avoir écouté mon cher frère, chercher la tête de la mission, j'avais déjà eu le temps d'apprécier le potentiel de confiance que le président de la République plaçait en moi. Mais je viens à nouveau de dire la tête de la mission, cette mission noble, elle est difficile. Certes. Mais je crois qu'il n'y a rien de difficile. Il n'y a rien de difficile que Dieu n'a pas rendu difficile. Et quand il veut, il rend facile ce qui est difficile. Je prie encore Allah de nous donner la force nécessaire pour pouvoir mener à bien la mission qui nous est confiée. Les problèmes sont connus. Nous avons eu le temps. Avec l'assistance et l'aide de mon frère,
de faire le diagnostic du secteur, de connaître l'ensemble des problèmes, de faire des propositions de solutions et essayer d'évaluer le coût de cette proposition. Je viens de vous annoncer tout à l'heure les efforts fournis par M. le Président de la République pour que cela soit possible. Vous avez entendu les enveloppes désormais allouées à ce secteur pour pouvoir donner de l'eau potable aux populations et ensuite assainir le cadre de vie de cette population pour qu'il puisse vivre la misère et la santé. Encore une fois, je remercie M. le Président, professeur Alphonse Poitier, pour cette marque de confiance et pour les efforts fournis. Je le rassure ici, devant vous, qui êtes ici présent, que je ne ferai aucun effort pour mener à bien cette nouvelle mission et mériter la confiance qui vient de vous. Je disais bien que vous n'avez pas ce de mission. Monsieur le secrétaire général, vous avez compris ce qui nous attend. Vous le saviez d'ailleurs. Vous le savez. C'est pourquoi le président a bien voulu vous placer à côté de moi en tant que chef d'État. Moi, je suis politique. Vous n'avez plus pas confiance quand on a pu venir à bien collaborer. Madame la secrétaire générale, à partir d'ici, rassurez le président de la République que je suis à sa disposition pour mener à bien sa politique d'approvisionnement des populations en eau potable et l'amélioration des conditions de vie à l'assainissement de l'eau. Je voulais m'arrêter là et demander à chacun de me mettre dans sa prière pour que je puisse arriver à mériter la confiance de M. le Président de la République. Je vous remercie. Pour être sous l'oreille
de Monsieur le Président de la République pour nous donner l'information et la vraie information et le rassurer que les cadres qu'il a promis, les beaux responsables qu'il a promis dans les postes différents sont encore plus engagés qu'hier pour servir la noble tâche, pour servir le peuple de Guinée, n'est-ce pas, dans les conditions de travail aussi difficiles que nous connaissons dans notre pays. Conditions qui ont été déclinées ici par Monsieur le ministre de l'Énergie. Quand il y a l'eau, on vous acclame. Quand il y a l'électricité, on vous acclame. L'eau et l'électricité sont gérées en fonction de l'humeur du Guinéen. C'est là où je voudrais rectifier mon frère. Ce n'est pas parce qu'il y a coupure que les gens vont crier à l'eau et prendre des pierres et faire des casses. Ce n'est pas parce qu'il y a coupure. C'est parce que c'est le sentiment qui les anime de perturber le développement. Moi, ma voix porte. C'est le sentiment qui les anime de perturber le développement. Monsieur le ministre, nous sommes conscients de tous les efforts, de tous les sacrifices que vous avez faits pour nous donner de l'électricité, le rôle important que vous avez joué par rapport à l'État. Vous recevez les remerciements du chef de l'État. L'initiateur est là, mais vous avez joué votre partition. Et puisque l'initiateur est là, il est revenu à côté et vous êtes ensemble, ce n'est plus une question. Voilà. Et vous avez toujours été son conseiller. Il a dit ici que c'est vous qui lui avez remonté les premiers problèmes depuis 2010. Donc moi je vois que c'est les frères jumeaux, si vous êtes ici à moi et vous allez ensemble. Donc nous comptons sur vous pour gagner et pour vous. Comme je le disais avant donc de passer à la dernière étape, je voudrais faire l'économie de tout ce que nous devons dire à cause des conditions climatiques parce que nos chers journalistes sont sous le soleil. Et demander à nos deux frères d'échanger le procès verbal, les procès verbaux, et sous le témoignage de l'ensemble des cadres et du ministre conseiller président de la République et de la famille et notre chère épouse qui est là, qui vient nous accompagner. Et dire également au nom du secrétaire général du gouvernement empêché, au nom des cadres du département, du secrétariat général du gouvernement qui nous accompagne à la conduite de cette mission, dont le conseiller spécial du secrétaire général et monsieur le directeur du journal officiel, après la signature, nous allons déclarer officiellement installé monsieur Elage Papakoli Kourouma dans les nouvelles fonctions de ministre d'État, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, et monsieur Chantal Lucilla, ministre de l'énergie, et qui nous ont donné aussi la facilité, n'est-ce pas, et sous une forme très participative, d'installer le secrétaire général avec le ministre. Donc, monsieur le secrétaire général aussi du département de l'hydraulique et de l'assainissement serait en même temps installé par, n'est-ce pas, à partir de cette cérémonie, dans sa nouvelle fonction de secrétaire général du département sous l'autorisation du ministre. Ça augure pour nous, n'est-ce pas, un lendemain vraiment très meilleur de collaboration entre le secrétaire général et le ministre. Vous avez été nommé par le même décret et le ministre a demandé qu'on vous installe par dans la même cérémonie, à partir de la même cérémonie. Franchement, merci monsieur le ministre pour cette ouverture. Merci et merci à tous. Nous allons passer maintenant à l'échange, n'est-ce pas, des procès-verbaux.